Let's get ready to rumble! Round 1. Hey yo, salut les amis, c'est Mercos. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Grand Master Challenge en compagnie de Léo. Salut Léo. Salut, salut, salut tout le monde. Donc voilà, ça y est, on a enfin réussi à mettre nos 2000 unités de côté pour les 10 premiers cristaux du Grand Maître. On espère que ça va être top top. J'ai envie de battre Léo, je vous préviens. Moi, mon but, c'est de gagner. De toute façon, l'amitié et tout, y a rien comparé à la victoire. Voilà. Donc, on va gagner. Allez, on va lancer les 10 premiers pour cette première vidéo. Voilà, ça y est, boum, moins 2000 unités, ça fait mal aux fesses, mais c'est le jeu. En plus, je trouve les cristaux d'ailleurs super stylés également. Là, ils ont fait... avec cette mise à jour 15.0, niveau game design, je trouve ça vraiment, vraiment top. Bon, on est parti. Et c'est à 6 étoiles aussi. Oui, c'est pour ça que je disais les nouveaux cristaux de... Ouais. Je parlais de ces deux-là. Bah, de toute façon, ils sont très ressemblants quand tu regardes bien. Les cristaux du Grand Maître, t'as l'impression, c'est juste une partie, en fait, du cristaux 6 étoiles. Ouais, c'est ça, Allez, on lance le premier. Allez, que Dieu nous bénisse. Vive le doigt magique. Et on commence par un câble 3 étoiles. Est-ce que le doigt magique est une légende ou pas? Allez, câble qui passe à 41 du coup. Bon. Le premier, bah, de toute façon moi, tant que les 3 étoiles sont pas tous max... Je m'en moque d'en avoir, donc ça me dérange pas. Après, avoir des 4, des 5, je dis pas non, hein, bien sûr. Mais, Ça fait toujours des éclats. Hein. Exactement. Et le deuxième... Oh, j'éveille mon Loki 4. Ah, bien joué. Ah, il était pas éveillé. Ah, yes. Ça, c'est cool. En plus, c'est un très très bon éveil, parce qu'il vient complètement... Enfin, c'est carrément bon pour son gameplay, en fait, son éveil. Ouais. Et encore des iso mystiques, du coup, à utiliser. Allez, en ce moment, j'en ai masse des iso mystiques là avec les deux que j'ai ouverts la dernière fois, bah, que vous avez eu en milieu de semaine là. Allez, bon, ça commence plutôt pas mal. C'est sûr. Allez. On continue avec un petit award, The Duck 3 étoiles. Qu'il est 33. T'as fait l'épisode, hein. Hein ? En soi. T'as fait l'épisode? Oui, voilà, toi, c'est bon. 4 étoiles à chaque, voilà. Plus 9 3 étoiles. En théorie, c'est à peu près ça. C'est ça. Moi, c'est bon. Bah, on peut arrêter là, les amis. Bonne journée. Allez. Le quatrième. Et une... Oh non, ça a retourné. Wolverine 3 étoiles. Voilà, ça me va. Il passe à 33, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Yes. Juste remonter un peu mon siège. Hop, voilà, on sera beaucoup mieux là. On sera plus centré. Non, c'est bien Loki. Ah, je suis content. Ah, c'est un peu comme câble. Ah, ça aide vachement son gameplay de l'éveiller. Bon, je vais pas dire, j'aurais préféré Star-Lord, mais bon, un 4, c'est toujours bon à prendre. Bien sûr. Allez, le cinquième. Angela 3 étoiles. Angela. Ouais, je l'avais pas. Je n'avais pas Angela. A chaque fois, tu disais que tu la manquais. Bah oui, j'ai la 4, mais j'ai pas la 3. Comme Ghost Rider, j'ai le 4. Compétence max, rang max, niveau max, mais j'ai pas le 3 étoiles. Bon. Ouais. Allez. On continue. C'est bien, ça te donne des nouveaux. C'est cool. Ça fait monter ton IP. C'est ça. Et un petit War Machine 3 étoiles. Et on passe sa compétence à 48, du coup. C'est ça qui est bien, c'est qu'aussi ça fait progresser les compétences de nos 3 étoiles, ça les finit en fait. C'est ça. C'est cool. C'est bien. Allez. Et au bout d'un moment, genre les derniers épisodes, on va avoir tellement nos 3 étoiles de maxé. C'est ça. Allez. Pour l'instant, j'en ai pas eu un seul qui était max. C'est ça qui est bon. Mmh. Et Iron Man dessus, bah tiens, il a fallu le dire. Je crois qu'il est max. Mmh. Ah non, si. J'aurais préféré Archangel à côté, mais bon. Un cristal compétence max, je prends. Allez, les 3 derniers. Est-ce qu'on va avoir la chance de voir un petit 5 étoiles? Mince.
Ah, ce serait tellement le pied. Carrément. Allez. Doigt magique. Je compte sur toi. Luke Cage 3 étoiles. Ça va, le doigt magique est plutôt bon sur ce premier épisode. Ouais, je suis content. Il est dans la moyenne. Ça me le monte en plus, donc en compétence, pareil. Ouais. Ouais, c'est cool. Hein. Allez, les deux derniers. Allez, allez. Star-Lord, Star-Lord, Star-Lord. Oh, juste à côté, il y avait Elektra 5. Ah, oh, fuck. Daredevil 3 étoiles. Niveau max. Allez. Elektra 5, c'est vrai qu'elle fait plaisir quand même. Ah ouais. Bon, c'est pas Elektra que je veux, parce que là, les virtuos, j'en ai assez, c'est bon. Ouais. En 5, ouais. Bah, j'en ai 4 sur 11, j'en ai 4. Donc, Ah oui. Ouais. J'ai Black Panther éveillé, j'ai Moon Knight, Soldat de l'Hiver, et c'est qui le quatrième? Moon Knight, Soldat de l'Hiver... Black Panther Civil War. Si, voilà, Black Panther Civil War. Et on finit avec un une X-23. 3 étoiles. C'est pas mal, hein, enfin, compétence 9, 30 étoiles en 4 étoiles. Voilà. Normal. Un épisode basique. Basique, et en termes, si j'avais acheté en unité... Au final, bah, je suis quand même rentable. Bah, largement. Donc, moi, ça me va. Largement. Ouais, parce que sinon, ils te vendent le Crystal Cat à 2500 unités. Donc, Bah, ouais. Donc, j'ai eu 440 éclats 4, 275 éclats 5, 2 cristaux de compétence max 3 étoiles, l'éveil de mon Loki et Angela que je n'avais pas en 3 étoiles. Donc, bah, pour moi, épisode réussi. Ouais. Je suis content. Vraiment pas mal. Exactement, voilà. Bon bah c'est fini donc pour ce premier round. J'espère que ça vous aura plu. Bah on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode. Et puis bah n'hésitez pas surtout à aller voir donc l'épisode sur la chaîne de Léo. La vidéo, donc le lien de la vidéo est dans la description de celle-ci. Et quant à nous Léo, bah on se retrouve au round 2. Bah ouais, absolument. Et oui, pour continuer comme ça et aller à la chasse du 5 étoiles. Exactement. Allez, ciao, bye bye les amis. Salut tout le monde.